Et nous sommes en ligne avec celui qui est aux commandes, le pilote du bobsleigh, Boris Vin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Alors du coup, Boris, quel est l'enjeu de cette compétition ? L'enjeu, c'est de concrétiser un peu toutes les semaines de travail qu'on a réalisées depuis cet été. C'est la compétition phare pour nous cette année. Les championnats du monde, c'est toujours le grand moment de la saison et il va falloir performer. Alors si je ne me trompe pas, donc ces championnats ils vont se dérouler en deux temps. Il y a deux descentes demain samedi et deux autres dimanche, c'est bien ça ? C'est ça, c'est sur quatre manches cumulées, oui. Mm-hmm. Et vous additionnez les temps à la fin ? C'est ça, voilà. On additionne tous les temps et ça te donne un classement final. Exactement. Ok. Alors, lors des JO de 2022, vous avez créé la surprise et c'était même historique en terminant sixième. Vous étiez pousseur, aujourd'hui vous êtes pilote. Vous êtes passé d'un poste de force à un poste plus technique. On imagine que ça n'a pas dû être très facile pour vous. Non, c'est pas simple. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps et je voulais finir en beauté avec les JO de Pékin. Mm-hmm. Donc après ça, on a tourné la page et c'est un changement dans tout, mais ça reste les mêmes objectifs et la même envie, même encore plus forcément, parce que c'est un rôle différent. Alors vous représentez Monaco, moi aussi, il n'y a pas vraiment de déj, il n'y en a même pas du tout. Comment est-ce que vous faites pour vous entraîner ici toute l'année ? Alors, heureusement, ça ne change rien. Le bobsleigh, la saison, elle est vraiment divisée en deux parties. Il y a la saison d'été et la saison d'hiver. Donc la saison d'hiver, on part pour les compétitions et on part sur la glace. Et la saison d'été, c'est de la préparation physique et de la poussée. Monseigneur, il y a très longtemps, avait construit une piste de poussée à la turbie. Mm-hmm. Donc on peut s'en servir et ça, c'était génial. Et après, pour le travail physique, le sprint, la musculation, on s'entraîne sur les installations du Stade Louis II. Bon, on est donc à quelques heures des premières descentes. Comment est-ce que vous vous sentez là ? Il y a beaucoup d'impatience et du stress aussi. Ça fait partie du jeu. Quand c'est la plus grande échéance de la saison, il y a du stress qui vient. C'est du bon stress. Mm-hmm. Et très, très impatient, oui. Qui est votre principal concurrent cette année ? Il y en a plein. Pour l'instant, nos meilleurs résultats, c'était 8e en Coupe du Monde cette année. Donc, on va dire que tous ceux qui sont devant, ce sont les concurrents. Et l'objectif pour demain et pour dimanche, c'est d'espérer faire un top 6, ce serait vraiment beau pour nous, oui. Bon, eh bien, on va croiser les doigts pour vous. Merci beaucoup, Boris, pour votre temps et merci d'avoir répondu à nos questions.